reste un bout à faire avant d'arriver, avant d'arriver. Me boire ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. On s'en va vers Bryce, pour Bryce Canyon National Park. On est sur la scénic... Road. Road. Scénic Road. 12. Puis c'est ça. Fait que là, c'est notre premier point de vue. On arrête à notre premier point de vue. Il est 11h. On devrait arriver vers 2h, 2h30 à Bryce. Spécial. C'est hein? Super beau. Oui. On change d'environnement. Oui. On tombe dans une forêt de pins. C'est très beau. Oui. Puis là, ben, l'indice de feu est très haut. C'est assez impressionnant, Marika. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais un peu peur de tomber. On passe. À un moment donné, il y avait les deux spots qui étaient dans la rue, puis genre le reste était vide. Moi aussi, je tenais le volant à deux mains. C'était vraiment spécial. Comme là, déjà, la route est proche, là, fait que c'est un peu... Ouais, la route là-bas, là. Bryce Canyon, mais on ne sait pas encore quoi parce qu'on va aller voir le visiteur patente pour qu'il nous donne un plan parce que j'avais l'idée de la sunset, mais on va voir. OK. On y va. Ouais. Ça va, c'est pas trop? Et ça, oh! Oh là là! Hey. C'est ça que tu voulais voir? Hey. Oh, my love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Il y avait des roches gigantesques. Puis des fois, on avait peur de tomber parce que le chemin était vraiment étroit. Aussi, les roches étaient vraiment glissantes, mais c'est un détail. Moi, au début, j'étais là, ça monte pas, voyons, à la fin. Hey, ça a monté, là. J'étais full fatiguée après. Vous étiez toutes roses comme des tomates. Oui. Je pensais que c'était une plage de sable. Ah oui, un arbre pétrifié. Ah, c'est spécial. Il pousse quand même. On va quand même chercher ça. Ouais. Ah, comment tu trouves le parc? Hey, c'est beau. Complètement différent de l'Arche. Ouais. Aussi beau. Aussi beau. Ouais. Les deux sont beaux, différents, différents. Oui, oui. Fun? Oui. Entendre? Oui, c'est très beau. Marika, comment ça? C'est vraiment beau, puis c'est majestueux, puis c'est vraiment grand. Marika qui voulait passer là, matin, elle voulait passer. Ouais, t'es-tu contente d'être pas restée dans vous là? Oui. Oh. J'étais
fatiguée. Ouais, ouais, c'est normal. T'as-tu eu de la misère à monter Bryce? Non. Tu t'es fait demander... Il a fait chaud, mais j'ai tendance à avoir la figure rouge facilement, donc j'ai monté pas avec difficulté, mais j'ai eu chaud. C'est beau à voir? Oui, c'est très beau à voir. C'est impressionnant. Autant, sinon plus, d'après moi, pour moi, là, que Arche. J'aime mieux Bryce Canyon. Bon, bon. T'as-tu aimé mieux Bryce ou les Arches à Moab? C'est différent, mais je pense que j'aime mieux Bryce. En même temps, le Grand Canyon, pas le Grand Canyon, le... Arche. Moi, Arche à Moab, c'était quand même beau aussi. Mm-hmm. Ben, c'est... Les deux, c'est impressionnant, mais d'une façon différente. Hier soir, pour clore ici à Bryce Canyon, c'était la fête des Américains. On a vu un super feu d'artifice qui a duré au moins une demi-heure. Parce que on avoue que les soirées ici sont assez fraîches. Hein? Et là, on se dirige vers... là, on était dans les roches. On se dirige vers un trou. On a un petit 5 heures de route à faire. Un petit 5 heures de route à faire. Et on arrive... Là, on va vraiment camper dans le parc du Grand Canyon. Dans un parc national. Donc pas de service. Qui n'est pas de service, que Jean-Luc a loué il y a fort longtemps. Donc, il est très prévoyant quand il voyage. Donc, ça nous rassure. Quand il voyage. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.